Pourquoi vous avez choisi le cabinet de Abdullah Milson? Parce que j'en ai entendu parler. Docteur, يعني اليوم لاحظنا ونحن في الاستراحة زحمة المراجعين يعني 50 مراجع في قبل أن ينتهي النهار ماذا تفسر كثرة الزوار؟ Ceci c'est grâce à Dieu. Depuis le début, je n'ai jamais eu aucun problème d'avoir des patients, de chercher des patients, jamais. J'ai toujours eu trop de patients et mon problème c'est de gérer l'abondance. Alhamdulillah. C'est quelque chose qui vient avec Allah. C'est pas quelque chose qui dépend de moi. Ça dépend d'Allah. Moi, je ne fais que mon travail. Je dois travailler fi sabilillah au service des gens. Et puis, si les gens y viennent ou ils viennent pas, mais la plupart du temps, ils viennent trop. Alhamdulillah. دكتور يعني الحمد لله أرى المراجعين من جنسيات متنوعة من أديان مختلفة من ألوان متباينة فأوروبيين هنود عرب ألمان فرنسيين كل شيء كما لاحظت أنا تفسير. La France est un pays d'immigration. Elle s'est faite en vagues d'immigration successives. Chaque fois des peuples différents viennent en France et à la fin ça fait des Français. Et c'est ce qui se passe dans mon cabinet. Moi j'ai choisi dès le départ de traiter les patients les plus pauvres. Je choisis la pauvreté, les gens pauvres, parce que je les aime et qu'ils m'aiment. Et ce sont des patients faciles, gentils et qui écoutent ce qu'on dit. Tandis que les patients riches, ils n'écoutent pas et ils n'obéissent pas. Donc j'ai choisi les patients pauvres, dès le départ. Et dans les classes sociales les plus pauvres, il y a tous ceux qui viennent d'arriver en France. Des Arabes, des Turcs, des Africains, des gens qui viennent d'Asie, des Vietnamiens, des Chinois, des Européens pauvres, il y en a. Tout ça sont les gens qui viennent chez moi. La première chose que vous trouvez dans mon cabinet, c'est d'abord des gens pauvres. Alhamdulillah, je suis fier d'être le médecin des pauvres. Maintenant, en plus de ça, une fois que je commence à traiter les gens et que les gens ils trouvent que je traite bien, alors ils en parlent à d'autres personnes et les bouche à oreille fait en sorte que petit à petit j'ai de toutes sortes de gens, même des riches qui viennent chez moi, même des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise, des gens comme ça qui viennent chez moi. Non pas parce que j'habite à côté de chez eux, mais parce que ils ont entendu et ils savent qu'ils vont être bien traités chez moi. Mais ça, c'est plus exceptionnel. La plupart de ma patientèle, ce sont des pauvres. Il y a un énorme lien entre l'islam et le comportement et le fait d'être au service des gens. Regardez la Kaaba. Quand on fait le tawaf, eh bien, pour aller vers le centre,
on est obligé de passer par la foule qui est dedans, on est obligé d'être au service des gens. Et si on est au service des gens avec la niyat fisabilillah, alors c'est formidable. On travaille fisabilillah, c'est quelque chose où on sert les gens pour Allah. C'est ce qu'il faut faire. D'après moi, c'est le secret de la vie. Le secret du bonheur, c'est de travailler fisabilillah. Si on ne travaille pas fisabilillah, la vie, elle n'a pas de goût. Ensuite, par ce comportement, quand on travaille fisabilillah et qu'on a bien compris qu'on est au service des gens et pas le contraire, les gens voient que vous êtes heureux. Alors ils viennent vous demander, pourquoi tu souris tout le temps? Pourquoi tu es heureux? Et tu dis juste parce que je travaille fisabilillah, c'est tout. Allah, il me donne le bonheur parce que je travaille fisabilillah, rien d'autre. Mais il faut attendre que les gens viennent vous poser les questions, jamais leur imposer quoi que ce soit. La deuxième chose concernant les relations entre la maladie et l'islam, il faut bien comprendre que la maladie est une épreuve d'Allah. C'est Allah qui envoie la maladie ou la santé. C'est une épreuve. Et dans l'épreuve, on peut voir deux choses. Soit une punition, soit quelque chose qui va vous élever pour devenir plus croyant. Si vous voyez ça comme une punition, c'est une punition. Si vous voyez ça comme quelque chose qui va vous une chance pour devenir plus croyant, alors c'est une épreuve qui va vous rendre plus croyant, Inch'Allah. Par exemple, si vous buvez de l'alcool, vous savez que vous allez contre ce qu'Allah a demandé et vous serez ensuite malade à cause de cet alcool et ça sera une punition. Mais si vous avez bu de l'alcool et vous faites tauba et que vous tombez quand même malade à cause de l'alcool, eh bien, à ce moment-là, c'est une épreuve qui va vous permettre d'aller plus haut dans votre foi, Inch'Allah. Mon but, mon travail, c'est d'accompagner les deux. Aider les gens qui sont dans la punition à comprendre que c'est une punition et qu'il ne faut pas qu'ils recommencent, et à les aider à sortir de là. Aider les gens à comprendre que c'est une épreuve et à devenir de meilleurs croyants grâce à cette épreuve. Docteur, il y a Marvel حالات المستعصية كانسر والرعاش والكبد والكلى يعني المشكلة كثير هذا ممكن يصير تعبان نفسيا لا. ممكن يبكي ممكن ما ينام لا. ممكن وسواس ممكن ماذا تقول لهؤلاء هذا فرق مبين المسلم وخير المسلم الكفر الكافر ليس ممكن تقول إن شاء الله في الجنة ليس ممكن quand ils sont kafir j'ai moins de possibilités que quand ils sont musulmans. Quand ils sont musulmans, c'est facile. Tu lui dis de toute façon tu vas mourir. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas mourir. Alors, soit tu acceptes que tu vas mourir et à ce moment-là tu te poses la question comment je vais devenir devant Allah, le Yawm al-Akhir, soit tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, où elle est ta croyance? Mais pour les kafirs, je leur dis simplement qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que vous allez jamais mourir? Non, vous allez mourir un jour. Réfléchissez. Comment vous allez mourir? À ce moment-là, ça change. Moi, je ne réponds pas à leurs questions tant qu'ils ne me posent pas la question. Mais les gens qui viennent chez moi, ils savent que je suis musulman. Donc, ils savent très bien pourquoi je porte la barbe, ils savent très bien pourquoi ma secrétaire elle est le Mohammed Jabbat, etc., etc. Ils savent tout ça. Donc s'ils viennent chez moi, c'est qu'ils ont déjà une discussion du point de vue islamique. J'ai des kafirs chez moi qui sont vraiment des kafirs très durs. Ils disent, je ne serai jamais autre chose. Mais quand même, on plaisante ensemble. On lui dit, oui, mais comment tu vas mourir toi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Il dit, mais il n'y a rien après.
Qu'est-ce qui te prouve? Tu as déjà vu? On a des discussions comme ça. Docteur Abdallah Milson, le français, كلمة أخيرة, كلمة أخيرة في عالم الطب. الكلمة أخيرة في الطب. En général, on ne meurt pas en bonne santé. Donc, la maladie fait partie des épreuves de la vie normale. Il ne faut pas comprendre, parce qu'on est malade, que Allah nous punit. Non, on devient malade parce qu'on devient vieux, tout simplement. C'est normal d'être malade un jour. Mais si on comprend que la maladie est une épreuve envoyée par Allah pour nous augmenter dans la foi et nous faire parvenir au paradis, alors on voit la maladie et la mort comme quelque chose de positif. Et c'est mon but aussi. J'ai souvent des gens qui sont très malades, et quand ils sont musulmans, je leur explique ça, et masha'Allah, on voit la différence entre le croyant et le pas croyant.